à tous d'être présents. Donc, c'est la deuxième journée du LH Forum 2017. Hier, nous avions eu deux séances. J'espère que c'est bon pour le micro. Vous m'entendez bien? Oui, tout va bien? Ok. Donc, on a commencé par le forum des lycéens, le forum des enfants. Ce matin, nous avons eu déjà deux premiers ateliers de cette journée professionnelle à la CCI, où nous allons essayer d'amplifier l'impact de l'économie positive et le développement du territoire entrepreneurial, industriel. Je vais rappeler en préambule deux choses. Tout d'abord, ce qu'est l'économie positive, pour que tout le monde comprenne bien. Le concept a été élaboré par Jacques Attali et le mouvement autour de Positive Planète en 2012, en réponse à la crise de 2008, en considérant que la crise de 2008 est née après 20-30 années, du développement d'une économie tournée essentiellement sur la rentabilité du court terme et la primauté du court terme. Et dans son esprit et dans sa volonté, il était primordial de replacer l'intérêt du long terme et notamment l'intérêt des générations futures au cœur des décisions économiques des établissements publics, mais également des décisions individuelles. Et donc c'est un concept, l'économie positive, qui englobe bien évidemment le développement durable, la RSE, mais qui a ce supplément d'âme, qui est de penser le long terme et l'intérêt des générations futures. Donc ça, c'est le premier préambule. Deuxième préambule, on est aujourd'hui à la CCI pour une journée professionnelle. Donc on a cet après-midi 4 ateliers. On va avoir ce soir un forum social digital forum avec Orange, etc. Donc je remercie infiniment les partenaires, entreprises, de nous accompagner, les partenaires publics et en particulier la CCI, de nous accueillir et d'avoir été et d'être l'un de nos partenaires essentiels depuis le développement, depuis 5 ans et depuis pour cette 6e édition du forum. Alors là, pendant une heure, nous allons parler de PME-TPE. Faites-vous de l'économie positive sans le savoir. Quelle est l'importance de la RSE pour vous? Et pour commencer, je vais donner la parole tout de suite à Léa Lassara, la présidente de la CCI, qui va introduire notre propos. Merci. Bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci Isabelle pour cette introduction. Donc je suis très heureuse de vous accueillir à la CCI Saint-Estuaire aujourd'hui. C'est une journée consacrée aux acteurs locaux de l'économie positive, donc c'est un beau sujet. Et puis, comme vous l'avez dit Isabelle, la CCI est partenaire du LH Forum depuis le début. Et ça nous semblait évident, et également FEDER, les entreprises, autour des différents projets, ça nous semblait évident de vous accueillir aujourd'hui dans nos locaux. Donc merci d'être présents et d'être si nombreux. Je voudrais dire que la CCI, mais vous le savez sûrement, est un acteur important au niveau de l'économie territoriale. Je pourrais, la liste des actions est longue, donc j'en ferai pas une exhaustive, mais en tout cas on est engagé dans la mobilisation du territoire avec vous. Un exemple quand même, c'est qu'on a 200 patrons de PME, TPE, grands groupes industriels, autres, et dirigeants qui font partie de nos élus et qui s'investissent dans des groupes de travail, des commissions, pour non pas pour développer leur business, mais pour développer le territoire et donc l'économie du territoire. Donc là, on parle bien d'économie positive, même s'il n'y a pas que ça dans le développement du territoire, bien sûr. Et puis, un autre exemple, c'est quand même qu'on a su fédérer les acteurs, les entreprises, autour du 500e anniversaire de la ville du Havre. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui, demain. Mais c'est vrai que c'était important de proposer à tous les acteurs privés et autres de participer via des clubs pour être présents et pouvoir encore une fois parler attractivité. Donc là aussi on est bien dans un des vecteurs de l'économie positive. Et puis aussi parce que bien sûr, il ne faut pas oublier, c'était quand même la culture qui nous a motivés, le mécénat culturel quand même autour du projet du 500e et qui était une cause et une belle cause. Nous sommes également... Alors, je me suis rendu compte en m'intéressant un peu au sujet, parce que j'interviens demain sur aussi l'économie positive territoriale, que les PME et les TPE font
de l'économie positive et souvent sans le savoir, pour en avoir parlé à beaucoup d'entre vous. En fait, voilà, je ne vais pas développer, mais c'est justement le sujet de la table ronde, donc je trouve ça formidable parce que je suis sûre que vous allez vous dire « Ah mais oui, mais moi je fais ça, ou je peux faire, ou tout ça se passe plutôt bien chez moi ». Et donc c'est bien l'intérêt de la table ronde aujourd'hui, celle qui ont lieu ce matin et cet après-midi, c'est bien de pouvoir faire émerger tout ce que vous faites à ce niveau-là. Alors je voudrais remercier tous les partenaires de la journée, j'espère que je ne vais pas en oublier, les industries du Havre, donc IDH, Veolia, l'OGO Seine-Estuaire, la Caisse des dépôts, Enedis, la Caisse d'épargne Normandie, Orange, Transdev. Et puis je voudrais un remerciement particulier à Fabienne Delafosse, qui est la présidente de notre club TPE-PME 2017, qui a la gentillesse de bien vouloir me remplacer à cette table ronde ce midi. Vous dire qu'aujourd'hui, on vous accueille pour le LH Forum. La semaine prochaine, on sera ravis de vous accueillir pour la semaine de la PME, qui est également un événement fort au niveau territoire. Vous dire également qu'on parle pas mal des femmes via le réseau CCI qui vient de se créer, Femmes et Challenge, et dont on parlera aussi, et qui parle bien d'économie positive et des générations futures. Voilà, vous remercier d'être là, parce que ça veut bien dire que tout ce sujet, voilà, vous êtes investi aussi, vous avez envie d'avancer. Donc merci beaucoup, je vous souhaite une bonne table ronde et une bonne journée. Merci. Merci. Alors, pour commencer, nous allons donner la parole à une entreprise qui est une entreprise qui nous accompagne dans, au sein du LH Forum et de notre entité Positive Planète, dans la transformation et la prise en compte de l'intérêt des générations futures dans son modèle de fonctionnement, que ce soit sur le plan territorial, sur le plan national et international. Et ça, on le fait au travers d'un indice un indice de positivité des entreprises. Et c'est une entreprise qui, depuis maintenant trois ans, voilà, vous rectifiez, c'est juin, vraiment fait un travail absolument remarquable, à la fois dans cette démarche, mais également dans son impact positif sur le territoire. On va travailler cet après-midi notamment sur la solidarité et la mobilité ensemble. Je laisse la parole tout de suite à Sylvain Picard de Transdev CTPO, et qui est donc l'un des maîtres d'œuvre de l'économie positive sur ce territoire. Merci. Merci. Alors effectivement, en voyant le titre de ça s'adresse aux TPE-PME, on n'est pas spécifiquement une TPE-PME. On opère donc la CTPO, ça veut dire donc la compagnie des transports de la porte océane. Et donc nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Transdev, qui est un groupe présent en France assez fortement, et puis aussi à l'international. L'expérience, enfin ce que je vais vous dire sur la philosophie RSE qu'on a, c'est d'abord et avant tout notre philosophie locale. Et donc, juste pour qualifier, donc effectivement, donc nous opérons le réseau LIA ici, le tramway, le funiculaire et les bus. Et nos concurrents sont Keolis, qui est une filiale de la SNCF, et puis RATP. Voilà, c'est les gros concurrents qu'on a en face de nous. Je dis ça parce que je vais y revenir après. Pour ce qui concerne les RSE, ça fait 3 ans que, comme vous l'avez dit, qu'on est partenaire. En fait, et pour être très honnête avec vous, il y a 4 ou 5 ans, moi, la RSE, j'en avais une vision assez théorique. Assez théorique, et c'était un concept, en fait, assez flou. Ce qui s'est passé, c'est que le groupe Transdev a nommé une personne, a créé une direction, la RSE, et donc qui est venu nous voir, qui a mis un peu des mots sur tout ça. Et puis bah, le Positive Economy Forum, où je me suis rendu à différentes séances, ça commençait à être un peu plus concret. Et finalement, je me suis rendu compte que la RSE, ça voulait dire agir sur le long terme, vous l'avez dit tout à l'heure, réduire son impact environnemental, travailler au bien-être de ses collaborateurs, dialoguer et coopérer avec les parties prenantes de son territoire, et puis voilà, être un acteur du territoire. Et je me suis dit, ben, ça finalement, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc tout à l'heure, enfin je crois que c'est Léa l'a dit, et sans doute pour beaucoup d'entre vous dans la salle, j'ai l'impression qu'on fait de la RSE sans le savoir parfois. Et en fait, du coup, on a eu envie de formaliser un peu les choses. Et pourquoi formaliser les choses, puisqu'on le faisait déjà? Parce que justement, dans le domaine concurrentiel dans lequel on est, donc moi,
notre client, c'est la CODA, à un moment donné, les groupes se présentent pour être concurrents, pour exploiter le réseau LIA. Et je dois dire, et rendre hommage à mes concurrents, que savoir très bien opérer un tramway, savoir très bien opérer un bus, tout ça, tout le monde sait le faire, ils savent le faire. Donc on sait très bien que le jour où on est mis en concurrence, ça ne suffit pas de dire le tramway marche bien, est à l'heure. Donc il faut aussi savoir se démarquer, et cet ancrage sur le territoire et tout ce qu'on fait, alors on fait pas mal de choses, hein, je ne veux pas faire une liste à l'après-vert, mais on accueille 60 classes de CM2 tous les ans dans nos locaux, on visite 60 classes de 6e pour parler sécurité notamment. On travaille aussi beaucoup dans le travail de l'insertion, donc avec Sans Chance, Sans Emploi, avec certains partenaires autour de la table. Oui, et je vais même ajouter des petits détails, mais là par exemple, on prépare hier pour le forum des enfants, il fallait donc faire venir des enfants de l'ensemble des centres de loisirs du territoire havrais, et bien évidemment Transdev était là pour nous accompagner à la fois au travers de bus, mais également par des tickets de tram, et samedi quand nous organisons le banquet citoyen qui va accueillir 200 personnes essentiellement venant des centres sociaux, pareil, l'accompagnement se fait par Transdev, donc c'est un point aussi important. Voilà, bon, donc je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert, mais voilà, on fait beaucoup de choses, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on formalise pour nous démarquer de nos concurrents, aussi pour pouvoir en faire un levier managérial, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on le fait sans le savoir, on n'en parle pas si bien que ça dans l'entreprise, et de pouvoir formaliser, mettre des mots sur les choses, ça permet aussi, quand on s'adresse au personnel, de se donner des objectifs dans tous les éléments de cette matière-là. Et puis, je dois dire aussi, par conviction personnelle et conviction de l'ensemble du comité de direction de la CTPO, il y a aussi envie d'être un acteur citoyen et de travailler. Alors, on a du mal à dire ça pour les générations futures. Quand on fait ce genre de choses, ça fait un peu pompeux de dire ça. Donc, moi, je dirais qu'on essaie d'avoir une vision de long terme. Voilà. Donc, on a décidé de formaliser ça sous deux aspects. Tout d'abord, la décision de se labelliser ISO 26000, parce que ça donne un cadre et ça cadre bien les choses. Et donc, nous sommes depuis l'année dernière labellisés ISO 26000 au niveau 3. Et puis, pour en venir au sujet que vous évoquiez, à cette même, d'ailleurs, dans cette même salle, il y a 2 ans, il y avait une présentation de l'indice de positivité. Alors, je ne sais pas, il faut absolument que les organisateurs vous diffusiez cette petite plaquette qui parle de l'indice de positivité des entreprises, parce que sinon, c'est un concept un peu flou. Il y a 6 dimensions, il y a 37 critères, c'est très concret. C'est bien que vous puissiez avoir ce document dans les mains. Je ne sais pas s'il est présent là. Alors, moi, sur l'aspect technique mais et c'est, pratique, il y a tous les éléments. Du Positive Forum qui absolument, il y a tous les éléments qui sont, je pense, les documents sont disponibles, mais également, vous pourrez retrouver sur notre site internet positiveéconomie.co l'ensemble des documents avec l'ensemble des critères. Et nos équipes, Clémentine, lève-toi, s'il te plaît, pour te présenter, est à disposition pour vous aider sur ce point. Voilà. Vous avez également Camille Jury qui doit être par là, et également Fanny qui pourront vous aider sur les présentations des critères, si c'est ce que vous souhaitez. Donc en fait, on a entamé, alors la première fois, on a entamé le fait de mesurer notre indice de positivité. Alors, je ne vais pas vous donner une liste à l'après-vert de tous les 37 critères. Les dimensions sont les enjeux de long terme, sont le fait de partager les richesses de l'entreprise, bon, via, je sais pas, des accords d'intéressement ou différentes choses, la réduction de l'impact environnemental, le développement des connaissances et des compétences pour le personnel, le dialogue et la coopération avec les parties prenantes de son écosystème, et puis améliorer de façon permanente le bien-être des collaborateurs. Au sein de chaque dimension, il y a un ensemble de critères qu'on mesure. Voilà, donc on a mesuré ça. Le principe, c'est de regarder les 5 ans qui viennent de passer, pour bien mesurer, pas une photo, mais une dynamique, et de se projeter sur les 5 ans qui viennent, parce que si on ne peut pas parler de vision à moyen long terme, si on ne regarde pas vers quoi on s'engage. Oui, en fait, l'importance de la mesure, c'est parce qu'il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de discours, mais si on ne mesure pas, les mots souvent restent des mots. Et le fait de pouvoir mesurer permet véritablement, là encore, d'amplifier l'impact et d'avancer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on développe énormément. Voilà, donc en fait, alors ça n'a pas d'intérêt, je vous dis, l'année dernière, nous avons eu 58,7, c'est un indice qui est sur 100.
Cette année, nous avons... Nous avons 58,7 cette année et nous avons progressé d'un point. Ça n'a pas d'intérêt puisque de se comparer, même si d'autres entreprises se le mesurent également, c'est plus pour voir la dynamique personnelle et se donner des pistes. En fait, cet indice, avant tout, ça a été un outil de diagnostic de toute notre politique RSE. C'est vraiment dans une logique d'amélioration et ça nous permet effectivement de nous donner des bases de progrès, de voir nos points forts et puis de se donner des plans d'action sur là où on est un peu plus faible. Voilà, ça nous a donné aussi des idées que peut-être on n'aurait pas eues, et notamment dans la sélection de nos sous-traitants. C'est-à-dire que dorénavant, alors pas pour les petites bricoles, mais les sous-traitants importants, on leur demande ce qu'ils font en cette matière de RSE. Et alors je ne vous dis pas que c'est le critère principal. Évidemment, on parle de la qualité du service, on parle du prix, on parle de tout ça. Ça nous permet quand même d'avoir un regard sur ce que font. Et je vais prendre juste un exemple. L'entreprise qui nettoie les bus et qui nettoie les trams tous les jours, c'est la société Honnête. On les a aussi, accueillis comme sous-traitants. Parce que ils font de l'insertion, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup. Et puis, par exemple, les produits utilisés sont écolabels. Enfin, voilà, on sent qu'il y a des vertus de ce côté-là. Et par ailleurs, on les a aussi intégrés dans l'équipe de Sans Chance, Sans Emploi. Voilà, donc ça crée un écosystème. Et donc, pour nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça nous paraît différenciant quand on se présente devant notre donneur d'ordre pour pouvoir passer et ne pas être bon que techniquement, mais pour travailler maintenant pour nous, c'est aussi différenciant. Donc je pense qu'il faut le voir comme quelque chose de peut-être un peu citoyen, une démarche forcément personnelle, mais ça peut aussi vous démarquer dans en cas de concurrence un peu forte quand les écarts de prix sont très faibles. Oui, de toute façon, sur le plan de la concurrence et de la prise de conscience de ces sujets, on le voit bien, et en particulier depuis 5 ans, et notamment avec la préparation de la COP21, ce sujet n'est plus un sujet qui était complètement à la marge, mais il devient prédominant, et notamment si on prend des fonds d'investissement internationaux, je pense comme des gens comme BlackRock, etc., ont désormais totalement intégré les questions de la RSE dans leur orientation des investisseurs. On va donner la parole à Émilie Fortier du Crépi, qui, elle, accompagne donc un réseau d'entreprises de la RSE. Elle va nous présenter un guide de la RSE et également, je crois qu'elle nous parlera un petit peu d'un accord cadre qui a été signé avec un accord d'accompagnement de la CCI. Émilie. Alors, bonjour à tous. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que le Crépi. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que le Crépi, parce qu'à première vue, j'imagine que ça ne vous parle pas beaucoup. Donc le Crépi Normandie, c'est un club d'entreprises qui réunit des entreprises qui ont souhaité justement s'engager dans le cadre de leur responsabilité sociale d'entreprise sur la question de l'emploi. Donc on réunit aujourd'hui plusieurs entreprises de divers tailles et de divers secteurs qui bénévolement travaillent au sein du club toute l'année et depuis plus de 10 ans maintenant, pour favoriser le retour à l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées. Il y a aujourd'hui 15 crépis en France sur le territoire national et nous avons une fédération sur Paris qui représente et qui coordonne tout le réseau. Voilà pour les présentations. Notre mission, pour détailler un petit peu plus les choses, c'est de créer des actions de médiation directe entre les personnes en recherche d'emploi et les entreprises, c'est-à-dire qu'on essaie de recréer du lien direct. On sait qu'aujourd'hui, sur les processus de recrutement, on est surtout sur des processus de dématérialisation. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'une certaine partie des personnes aujourd'hui qui sont privées d'emploi ne raccrochent pas ces processus de recrutement pour diverses raisons. Donc nous essayons, sur le territoire normand, d'engager des actions qui permettent à des recruteurs, des employeurs, de rencontrer ces personnes qui sont souvent un petit peu plus éloignées de l'emploi que les autres pour diverses raisons. Ça peut être des critères de discrimination, ça peut être des parcours de vie un petit peu plus compliqués. On va créer des sas de rencontres autour de la culture, autour du sport, ou des sas aussi de découverte métier qui vont permettre à ces personnes de se faire du réseau, de découvrir des métiers, de rencontrer des entreprises et pourquoi pas de trouver un emploi.
Pour le, par exemple, sur Le Havre, on a organisé il y a quelques mois un rallye pour l'emploi avec différents partenaires et certains adhérents qui sont ici présents à mes côtés. L'idée était de permettre à des personnes qui sont un petit peu dans le flou au niveau de leur projet professionnel de passer la porte de l'entreprise pour découvrir les métiers, pour se rendre compte de ce que c'est qu'un métier, que l'entreprise, essayer de se faire aussi du réseau. Et on est sur des actions qui ont vraiment des très bons résultats. Et sur une action de découverte métier, on a même des recrutements qui s'engagent. On en a eu quelques-uns qui ont été faits, notamment chez SEACOM. Donc ça, c'est une action d'orientation professionnelle. Et puis, on a des actions de retour à l'emploi, où par exemple, le matin, on a fait ça l'année dernière au Stade Océane. Recruteur et demandeur d'emploi étaient sur le terrain de foot en maillot de foot. On faisait des ateliers sportifs, accessibles bien sûr, hein. C'était pas un concours ni un tournoi. Et le midi, tout le monde déjeunait ensemble, et l'après-midi, on repassait sur une phase de job dating. On inverse complètement le process de recrutement. On voit pas le CV, on rencontre d'abord la personne, et on repère comme ça des vraies pépites. Voilà, c'est ça un petit peu le leitmotiv du Crépi. Et des autres Crépi de France. À côté de ça, on est aussi devenu un acteur qui a pour objectif d'accompagner les entreprises sur leurs engagements RSE, de les sensibiliser sur ces engagements-là. Alors, les engagements RSE pour la partie emploi, diversité, achat responsable. L'idée, c'est d'accompagner aussi ces entreprises qui le souhaitent, qui souhaitent rentrer dans le club, sur l'amélioration de leurs pratiques RSE, de leur expliquer la RSE, ce que c'est, mettre un doigt, expliquer aussi que ce qu'ils font parfois c'est déjà de la RSE, et puis de les accompagner à mieux connaître les acteurs de l'emploi locaux, à travailler en partenariat avec d'autres entreprises pour mettre en place des synergies et puis à faire progresser leurs pratiques pour à terme mieux recruter ou être plus efficaces dans leur politique de recrutement et de diversité. Juste en termes de pour imaginer un peu, comprendre votre dimension, vous accompagnez combien de personnes en insertion et vous accompagnez combien d'entreprises en RSE ? Alors l'année dernière... Sur le plan régional, pardon. En régional. Alors de toute manière, le Crépi Normandie a des chiffres régionaux. Après, chaque Crépi gère son territoire. Pour vous donner une idée, l'année dernière, on a 253 personnes qui ont bénéficié d'une action Crépi, que ce soit action de retour à l'emploi ou d'action d'orientation professionnelle. Donc 100 ont bénéficié d'une découverte métier et 153 d'une action de retour à l'emploi. Sur ces 153 personnes-là, 112 ont trouvé une solution professionnelle, 22% sur de l'emploi durable. Donc on est sur des chiffres qui sont quand même assez intéressants, des taux de transformation, si on parle indicateurs qui sont plutôt assez performants, mais en fait on n'a rien inventé, on vient juste sur ce qui se faisait avant. Il faut savoir que le Crépi est né d'une initiative du groupe Eiffage, qui avant, il y a déjà quelques années, recrutait déjà comme ça sur ces chantiers, on rencontrait les personnes et on leur proposait un job et on voyait si ça se passait bien. En fait, on revient juste sur des pratiques qui se faisaient avant Internet, avant etc. On recrée du lien entre les personnes. Et sur les entreprises, donc combien d'entreprises accompagnez-vous ? Alors actuellement, on a une quarantaine d'adhérents. D'accord. Qu'on en accompagne au quotidien. Sur le territoire havrais ou sur l'ensemble du territoire ? Sur l'ensemble du territoire normand, plus particulièrement parce qu'on a, que 10 ans d'existence, ce qui n'est pas énorme au niveau d'une association. On a plutôt des adhérents qui sont situés sur Le Havre, sur Rouen et un peu sur le Calvados et dans l'Eure. D'accord. Voilà. Juste une petite question, vous êtes combien dans l'association à travailler ? On est 3. Voilà, d'accord. Donc on peut, je pense simplement les applaudir, parce que 3 personnes accompagnées, autant de... Alors, je pense que l'économie positive, c'est aussi ça. Ce sont des gens qui s'engagent totalement. Alors, j'aurais que vous nous parliez du... Parce que le temps file aussi en même temps. Donc, du guide que vous publiez. Oui, alors effectivement, en fait, le réseau Crépi s'est interrogé il y a quelques temps de cela sur comment aider les entreprises, plus particulièrement les PME-TPE, à travailler sur la RSE. On sait que souvent elles font plein de choses, sauf qu'elles ne savent pas l'identifier et leur activité courante ne leur permet pas de prendre du recul par rapport à cette thématique-là. Donc des entreprises du réseau Crépi ont créé un outil qui s'appelle le guide entrepreneur responsable. C'est un outil qui nous permet d'auditer avec l'entreprise ses pratiques sur un format très court. On prend une heure avec l'entreprise et on audite tous ses indicateurs. Alors ça va être des indicateurs emploi, diversité, formation, achat responsable.
Ça nous permet de leur remettre une restitution et de travailler avec eux sur un plan d'action, soit d'amélioration des pratiques si c'est nécessaire, soit d'identification parfois d'acteurs qu'ils ne connaissent pas pour justement améliorer encore une fois leurs pratiques. Donc c'est un outil qui a été développé par des entreprises, pour des entreprises, et qu'on commence à développer en Normandie. Certains crépis ont déjà plus d'avance que nous. Nous, on était occupés encore sur d'autres outils, d'autres actions. Donc voilà, on le développe nous cette année, et l'idée c'est de le développer avec, en partenariat avec des réseaux de TPE-PME pour permettre... On le trouve comment, en fait? Il est en version papier? Il est en version papier. C'est... Et on le trouve où? Chez nous. D'accord. Donc, et chez vous, vous êtes où? Alors, nous, on est situé à Petit-Quevilly. Donc, on est bien central, près de Caen, Le Havre, on est au milieu, on est très bien. Et l'idée, en fait, c'est de travailler avec le crépi, en fait. C'est nous qui apportons l'outil. On le remplit ensemble et puis après on le remet à l'entreprise. C'est toujours sous format papier, on y tient encore assez. C'est un format qui est assez intéressant. On pense à le dématérialiser, mais on connaît... D'accord. Donc toujours tout ça à trois personnes. Vous avez donc également, vous signez une convention avec la CCI pour l'accompagnement de la RSE. Que contient cet accord? Quelle est son ambition? Alors, il contient beaucoup de choses. Je vais juste expliquer. En fait, on a commencé à travailler avec la CCI Sénestère il y a déjà 2 ans. Elle nous a déjà aidés dans le cadre de l'organisation de nos manifestations. Elle nous mettait à disposition des locaux. Voilà. C'est grâce à ça aussi qu'on arrive à trois faire tout ce qu'on fait, parce qu'on a des partenaires forts qui nous aident vraiment beaucoup. Et ça, je tiens à le souligner. Sans eux, on ne ferait vraiment rien. Donc ça a commencé comme ça. Et puis, il y a 2 ans, on a pris le pilotage de la charte entreprise et quartier en Seine-Maritime avec la préfecture. C'est une charte qui vise à accompagner encore une fois les entreprises qui souhaitent favoriser l'emploi dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc à partir de là, la CCI a commencé justement à nous cofinancer cette animation. Et puis effectivement, cette année, nous devrions bientôt... signer une convention pour renforcer ce partenariat et effectivement aller travailler sur des réseaux de TPE avec le guide et continuer à travailler ensemble sur toutes les actions qu'on met en place sur toute l'année, parce qu'effectivement on organise 3-4 actions emploi sur l'année en plus. Quand vous parlez d'action emploi, qu'est-ce que c'est? Alors c'est les actions que j'ai décrites tout à l'heure, le rallye pour l'emploi, action sport emploi, le parrainage, on fait aussi du parrainage, on travaille aussi avec les 100 chances sans emploi. Ok. Alors, merci beaucoup pour la transition, parce que nous allons donner la parole maintenant à Guillaume Miller de CACOM. Oui, c'est ça. Ah, je prononce bien. Et qui va nous présenter le programme Sans Chance, Sans Emploi, qui est un programme d'accompagnement à la formation et à l'emploi pour les jeunes. Et on est avec le crépi également. La bonne liaison. Non, mais c'est vrai que c'est important, parce qu'on fait des visites d'entreprise. Hein, c'est important. Et finalement, on est visité par des chercheurs d'emploi. Avant de commencer, moi je dirais qu'il ne faut pas avoir de complexe par rapport à la RSE. Quand on est responsable de TPE, PME en France, chaque fois qu'on recrute, on s'inscrit dans la RSE. Il y a pas, l'emploi est au cœur de la RSE. Il n'y a pas de RSE sans emploi. Donc c'est vrai que nous, CACOM, on est une entreprise qui recrute beaucoup. On a créé 150 emplois en 3 ans. Et on continue à recruter. Et donc, ça paraissait normal qu'on se rapproche des réseaux d'insertion, dont le crépi. Et donc, on travaille notamment avec différentes associations comme Cap Parrainage, Nos Quartiers ont des talents. Je vois Marc Mullier dans l'Assemblée. Et Sans Chance, Sans Emploi. Ce sont des associations qui ont la même volonté, c'est d'accompagner des personnes qui sont... En difficulté d'emploi vers les entreprises. Alors, ce ne sont pas forcément les mêmes cibles. C'est vrai que Sans Chance, Sans Emploi, c'est une association qui est spécifiquement proche des jeunes. Enfin, c'est plutôt des jeunes qui sont dans cette association-là. Cap Parrainage, c'est plutôt des personnes qui sont en fin de chômage et vraiment en difficulté même financière. Et puis, Nos Quartiers ont des talents, ce sont des étudiants qui ont un niveau d'études supérieur à Bac+3, mais qui, en dépit de ça, ont du mal quand même à trouver une première expérience professionnelle. Alors, bon, Sans Chance, Sans Emploi, la particularité de cette association-là, c'est qu'elle va, pendant quelques jours, coacher des jeunes
elle va les accompagner, elle va les conseiller à la fois sur la rédaction d'un CV et également sur leur présentation, les préparer, vraiment les coacher à des entretiens de recrutement. Elle fait participer des chefs d'entreprise ou des cadres ou des personnes qui travaillent dans les entreprises qui vont également participer donc à cet accompagnement. Et ensuite, au bout de 3 jours, il y a un grand oral. Alors, c'est assez compliqué parce que le jeune passe devant un auditoire d'une quinzaine d'entreprises et il va se présenter. C'est un exercice. Un exercice comme ça, il se présente et il explique en quoi ses qualités, même ses défauts, et en quoi il peut apporter à une entreprise. Et ensuite, les 15 entreprises qui assistent à cette audience, certaines vont dire, voilà, moi, par rapport à mon secteur, par rapport à ce que le jeune peut apporter, je vais le parrainer. C'est-à-dire que je m'engage en tant qu'entreprise à l'accompagner. Alors, ce n'est pas toujours simple. Hein, c'est-à-dire que chez SACOM, tout le comité de direction et puis même d'autres encadrants sont des tuteurs ou des parrains. C'est pas toujours simple parce qu'effectivement il faut prendre du temps, c'est-à-dire qu'il faut régulièrement voir le jeune ou voir la personne qu'on accompagne, l'avoir au téléphone, être là pour le conseiller, mais aussi pour donc l'aider et puis parfois même l'assister dans des modes de recrutement. Mais ça part à la fois, je pense, d'une volonté collective, mais d'une volonté individuelle. C'est-à-dire que la RSE, c'est ça, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que certaines personnes dans une entreprise vont dire oui, moi je m'investis parce que je sais que c'est pas facile de trouver un emploi et je comprends cette démarche-là et je vais m'investir, je vais prendre du temps et donc c'est vraiment du bénévolat, c'est vraiment un peu en dehors de l'entreprise. Par contre, c'est vrai qu'au départ, comme je le disais, SACOM s'est dirigé vers ces associations parce qu'on recherchait des candidats et c'était aussi un moyen de trouver des candidats. C'est pour ça que, comme l'a rappelé Émilie, on recrute aussi par ce biais-là. Hein, ça nous permet de recruter également. Donc voilà. Merci. Bon, alors justement, Fabienne Delafosse, donc vous êtes présidente du club TPE-PME et l'opportunité des 500 ans a permis justement de beaucoup renforcer cet engagement et ce recrutement au travers de la RSE, PME, la RSE. Racontez-nous cette aventure et son résultat, parce que je crois que les résultats sont assez fantastiques. Oui, donc bonjour, Fabienne Delafosse, je suis créatrice et dirigeante de la société Jeux d'enfants, un réseau de crèches sur le Havre. Donc autant vous dire que moi, les générations futures, c'est un peu mon cœur de métier. Donc voilà, d'où mon implication aussi dans tout l'intérêt collectif et pour la société civile. Donc j'interviens aujourd'hui en tant que membre élu de la Chambre de commerce, pour laquelle je pilote la commission attractivité du territoire. Et c'est dans cette commission, ça n'avait échappé à personne que nous fêtions cette année les 500 ans du Havre. Beaucoup de chefs d'entreprise, de TPE, PME sont venus assez spontanément nous voir en disant « Mais concrètement, nous, comment on fait pour s'engager ?» Il y a un événement très fort qui allie à la fois les institutions, les politiques, la société civile. Mais nous, finalement, entreprise, on ne trouve pas notre place. On a réfléchi tous ensemble, on a monté un groupe de travail dont Guillaume, à côté de moi, fait partie. Et très vite, on s'est orienté vers du mécénat, qui nous a paru la manière la plus appropriée, en tout cas dans le cadre de ces 500 ans, de participer activement à ce qu'était en train de vivre notre ville. Alors, on a choisi de parrainer l'œuvre de Karel Martins, « Couleurs sur la plage ». Je pense que vous avez peut-être tous eu l'occasion d'aller la voir. On voulait absolument rapprocher aussi le monde de l'entreprise de nos concitoyens. Donc l'idée, c'était vraiment que l'œuvre financée soit au plus proche et la plus populaire possible. Et quoi de mieux que la plage ? Voilà, ça n'était pas d'entrer dans un musée, d'entrer dans une église. C'était vraiment quelque chose dont tout le monde pouvait saisir, qui était finalement une œuvre assez abordable.
Et on a également souhaité amener la cabane des entrepreneurs directement à la plage. Donc c'était une cabane finalement qui reprenait un petit peu l'œuvre de Karel Martens, où là on a pu organiser des job dating, des formations, des rendez-vous de création d'entreprise. L'idée étant vraiment que deux mondes se rencontrent, d'arrêter d'opposer systématiquement le monde de l'entreprise et la société civile, et que vraiment bien montrer qu'il pouvait y avoir une perméabilité et des échanges, et qu'en général ces échanges étaient très riches. Mais avant d'en arriver là, il a fallu aller convaincre les entreprises. Alors certaines assez spontanément nous ont rejoints assez conscientes que l'entreprise devait s'investir aussi et que le mécénat, de par sa nature même qui est de servir l'intérêt général, répondait à ça. On a eu en revanche à convaincre les autres qui se demandaient un peu, mais ok, moi je vais vous donner de l'argent, mais qu'est-ce que ça m'apporte ? Pardon Fabienne, quel était le montant de la contribution ? Le montant de la contribution était de 1 000 euros, dont 60% étaient défiscalisables. Voilà. Ce qui était un montant au final pour une entreprise à peu près de l'ordre de 400 euros. On avait choisi aussi ce montant justement pour le rendre accessible à toutes les TPE-PME. Je pense que c'est très important. Soit un frein, mais malgré tout, dans un contexte économique un peu compliqué pour certains, 1 000 euros, ça reste même après défiscalisation, et encore faut-il payer de l'impôt société, ça restait compliqué. Bien sûr. Et sachant qu'in fine, il y a eu combien d'entreprises ? 128. Voilà. Merci. Oui, oui. On est très contents. On est très contents parce qu'on s'attendait, on s'y attendait pas, on aurait aimé en avoir plus, hein, et on vous expliquera après qu'on en cherche encore plus pour l'année prochaine. Voilà. Mais c'est vrai que sur le « qu'est-ce que ça m'apporte ?», c'était compliqué parce qu'on a des chefs d'entreprise qui sont convaincus de prime abord, finalement, du cercle vertueux. C'est-à-dire que j'investis, finalement, on parle d'une forme d'investissement dans ma ville, donc là, en l'occurrence, dans un domaine plutôt culturel. Ça fait parler de la ville, des entreprises s'y intéressent, d'éventuels nouveaux salariés, puisqu'on sait qu'on a des difficultés de recrutement sur la ville pour certains postes. Voilà, donc je m'inscris dans ce cercle vertueux. Ça nécessite d'ores et déjà d'avoir une vision sur du long terme, ce que ne l'ont pas toujours. Donc là où on a pu effectivement nous convaincre, c'était tout d'abord par rapport aux collaborateurs, puisque là encore on est parfois dans l'opposition chef d'entreprise, voilà, ça peut être sa petite valseuse d'aller financer une œuvre d'art, mais c'était vraiment bien que le chef d'entreprise puisse se saisir de son mécénat pour le valoriser auprès de ses collaborateurs. Le faire participer, ne serait-ce qu'en allant voir l'œuvre, ou en discutant, en échangeant, et voir comment finalement chaque collaborateur pouvait aussi se saisir du mécénat de l'entreprise. On parlait tout à l'heure, dans un domaine concurrentiel, effectivement, du fait de se démarquer. Quelle meilleure communication pour une entreprise que de montrer sa participation et son investissement dans la vie citoyenne. Donc ça a été aussi un point fort. Et un des points, alors qu'on n'avait pas du tout souligné et qui ne faisait même pas partie finalement de notre argumentaire de vente, si je peux l'appeler comme ça, c'était la rencontre avec d'autres milieux. C'était effectivement la rencontre de se dire que le chef d'entreprise, il a eu l'occasion de rencontrer des artistes, des gens du secteur associatif, d'autres personnes qui n'étaient pas forcément dans son cercle, puisque quand on est chef d'entreprise, c'est vrai qu'on est très sollicité pour appartenir à des réseaux. Ce sont très souvent des réseaux qu'on appelle business pour effectivement échanger des cartes de visite. Là, on était dans un tout autre domaine et ça leur a permis aussi finalement de prendre une petite bouffée d'oxygène et revenir dans leur entreprise et de partager ça avec leurs collaborateurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, sur le coup, on l'avait pas vu arriver. Effectivement, je pense également le fait de s'installer sur la plage, d'être plus proche de la population, des artistes. Alors, pour les Parisiens ou les internationaux qui sont dans la salle, donc l'exemple de Ken Martins, si je ne me trompe pas, c'est les cabanes de plage qui ont été donc repeintes, tradition havraise par excellence et dans la culture havraise absolue, mais qui a fait beaucoup dans la notoriété des 500 ans, puisque l'image a tourné dans le monde entier. Alors l'image a tourné, l'image était assez forte parce qu'il faut savoir que donc, l'algorithme avait été créé des étudiants. C'est aussi quelque chose qui a participé au fait qu'on ait envie de financer cette œuvre. C'est que c'était les étudiants de la ville du Havre qui avaient travaillé sur l'algorithme et puis des CFA qui ont fait la peinture. Donc on liait en plus la formation, l'apprentissage, l'entreprise, on réunissait bien toute notre volonté. Et après c'est vrai que l'algorithme qui a été développé, qui en fait reprend la charte finalement de naissance de la ville. Oui, on voulait vraiment que ce soit encore une œuvre accessible et vous faire vraiment un rapprochement entre les demandes. Absolument. Qui vont se poser. Donc c'est encore une fois la création, mais ce que vous entendrez à peu près toute la journée. Un maillage,
un écosystème qui se développe, des volontés individuelles, entrepreneuriales, associatives. On sort des enclaves, véritablement. Dernier exemple aujourd'hui, prise de parole avant que nous allions, on va essayer un tout petit peu d'échanger dans la salle, mais on n'aura pas beaucoup de temps. Et puis surtout, j'aimerais que nos amis nous aident à nous dire comment on pourrait amplifier tous ensemble leur action. Je donne la parole à Florent Bonaventure, donc le directeur de Sciences Po. Sciences Po, le Havre, est tourné sur l'Asie, avec une centaine d'étudiants par an, si je ne me trompe pas. Même plus. Ah, pardon, j'ai encore fait une erreur. Et donc, voilà, comment Sciences Po s'engage justement dans ce développement? Merci beaucoup, bonjour à tous. Moi, j'ai la rude tâche de parler après d'éloquents intervenants et avant le buffet. Donc, ça va aller. Je ne vais pas prendre trop longtemps, mais je voulais vous présenter un peu comment l'enseignement supérieur en général, et Sciences Po en particulier, s'inscrit dans les problématiques de RSE et d'économie positive. La manière dont on perçoit également ces problématiques. Alors, pour revenir un peu sur Sciences Po, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, on est Sciences Po Paris au Havre. Donc c'est une des antennes, un des campus de Sciences Po Paris qui est au Havre. Vous avez 7 campus en France, chacun offrant un diplôme de premier cycle en sciences sociales et humaines avec une spécialisation géographique. Au Havre, c'est l'Asie, donc le lien entre l'Europe et l'Asie. On a ici 150 étudiants par promotion, ce qui nous fait donc 300 étudiants au total, globalement, 450 étudiants, si je compte les élèves, qui partent en troisième année à l'étranger, en Europe ou en Asie. Et nous avons des élèves qui sont à 60% internationaux, qui viennent en gros d'un tiers d'Asie, un tiers de France et un tiers du reste du monde, et qui sont intéressés par le lien entre l'Europe et l'Asie, sachant que le cursus est en grande partie en anglais. Le campus s'inscrit également dans l'écosystème Sciences Po, donc les étudiants après peuvent aller dans un de nos masters qui, eux, sont à Paris et qui sont regroupés en écoles. Alors il y a les écoles traditionnelles des affaires publiques ou des affaires internationales, et il y a les écoles plus liées au monde de l'entreprise, comme l'école du management ou de l'innovation, l'école de la communication, l'école du journalisme, etc. Donc, voilà, pour présenter Sciences Po en quelques instants, toujours est-il que Sciences Po, depuis 1872, très exactement, forme les cadres administratifs et politiques, mais aussi économiques, de la nation. Et parce qu'on forme des élites, on a une responsabilité, on pense avoir une responsabilité très grande dans ce qu'on peut qualifier actuellement de crise de la représentation et de justement de cette formation des élites. Donc on cherche nous aussi à renouveler un peu notre formation, notre manière d'envisager c'est nos formations et notre rapport avec nos élèves et avec ce qu'ils font. Et dans ce cadre, on crée cette année un parcours civique qui s'adresse à tous les étudiants de première année et qui s'inscrit sur leurs 3 années de présence à Sciences Po. Le parcours civique ou parcours citoyen, le terme est encore en débat, a en gros deux portes d'entrée. D'une part, il s'agit de valoriser l'engagement des étudiants dans la vie de la cité, leur participation à la vie de la cité. Il s'agit de valoriser l'importance du vivre ensemble et de la notion de bien public au-delà d'une somme des intérêts particuliers. Donc c'est cet engagement dans la cité qui est crucial. Deuxième idée, c'est de valoriser la promotion de l'égalité et de la solidarité, c'est-à-dire des actions en faveur de de publics potentiellement discriminés, dans leur rapport au territoire, dans leur rapport à l'âge, dans leur rapport à la sexualité, au handicap, etc. Vous voyez deux branches dans ce parcours civique. Alors ça, c'est la théorie. La pratique, concrètement, comment on met en place ce parcours civique, tous les étudiants doivent, en fin de première année, faire un stage civique de terrain, dans le cadre d'une association, dans le cadre d'une ONG, dans le cadre d'une entreprise, ça peut être une fondation d'entreprise, ça peut être au sein d'un département RSE, ça peut être aussi une mission qui est confiée dans l'entreprise, qui recoupe finalement beaucoup des problématiques qu'on a évoquées jusqu'alors. Et en fin de stage, ils ont un rapport, ils passent en deuxième année, et en deuxième année, ils ont un projet collectif qui dure toute l'année sur également ces problématiques. Alors ça peut être, on est en train de discuter par exemple avec la Fondation de l'Armée du Salut pour que les étudiants s'investissent dans la maraude ou dans l'habitat, etc. sur un long terme, à raison de 2-3 heures par semaine sur toute leur deuxième année. Donc, ce sont des actions dans des structures à but non lucratif ou d'utilité publique qui sont publiques, associatives ou privées. Ça c'est très important.
L'ambition étant, je vous le disais, de former des acteurs qui sont dotés à la fois d'une grande exigence éthique et qui sont conscients des réalités sociales du territoire dans lequel ils étudient. Donc on veut vraiment former des étudiants qui sont engagés, qui sont pleinement conscients d'être des citoyens français, européens, ou voire du monde. Donc, dans ce cadre, et c'est pour ça que je m'adresse aussi à vous, on fait appel aux entreprises du territoire, aux associations aussi du territoire, pour héberger des stagiaires de fin de première année dans le cadre de ce type de projet. Alors, étudiants qui sont... très concrètement, ça veut dire que là, aujourd'hui, tu recherches, tu as combien d'étudiants en première année qui doivent, qui recherchent de s'engager dans une association? Ils peuvent venir aider peut-être le Crépi, ils peuvent peut-être venir aider beaucoup d'autres choses. Combien d'étudiants recherchent aujourd'hui des actions? Alors concrètement, j'ai 161 étudiants de première année, ce qui fait 161 stages à pourvoir. Alors évidemment, ils ne vont pas tous le faire au Havre, et généralement, ils pensent plutôt le faire à Shanghai, à Pékin, à Paris ou à Londres. Mais je trouve très important qu'ils fassent un stage au Havre pour que justement qu'ils sortent une bulle de l'enseignement supérieur et qu'ils s'investissent vraiment dans le territoire au Havre. Et donc on essaye de créer en gros une cinquantaine de stages à destination d'étudiants français ou internationaux, puisqu'on a des étudiants qui parlent des dizaines et des dizaines de langues sur le campus. Certains parlent assez mal français d'ailleurs, puisque les curriculums sont en grande partie en français. Mais voilà, on essaie de créer une cinquantaine de stages d'un mois, en juin, en juillet ou en août, dès l'année prochaine, qu'on pourrait pérenniser ensuite d'une année sur l'autre, et qui vraiment marquerait l'ancrage local, territorial des étudiants et du campus. Donc 50 stages, juillet et août, c'est ça, l'année prochaine, donc de jeunes qualifiés, enfin même très qualifiés, avec certains avec un profil très international. Tous ne parlent pas forcément très bien français, mais beaucoup parlent très bien français. Oui. Est-ce que tu avais encore d'autres points? Sinon, c'est ça. Non, juste alors je vous laisserai mon contact et ma carte si vous le voulez après, si ça vous intéresse, évidemment. Et deuxième plan, alors ça c'est ça peut aussi s'inscrire dans des démarches de RSE, mais on est en train de, enfin nos étudiants sont en train de former une junior entreprise qui est en lien avec Sciences Po Paris, et donc qui peut répondre à des demandes, des objectifs particuliers des entreprises ou des associations que vous représentez ou dirigez. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme le temps file, bien évidemment. Alors, juste après cette conférence, il y a un cocktail et tout le monde sera en bas et facilement accessible pour pouvoir continuer à, j'allais dire, networker, pardon, mais en tout cas échanger, partager, etc. Moi, j'aimerais que chacun de vous réponde en une minute à une question avant toute chose, qui est: qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer, amplifier l'impact de votre action? Sylvain? Je n'avais pas prévu la question. Je sais, sinon donc, c'est pas drôle. Non, mais si, c'est du coup plus drôle. En fait, je pense que vous pourriez tous en une minute, inciter vos salariés à rouler en transport en commun. Nous allons être une des premières villes de France à faire rouler des bus électriques en ligne à compter du mois de janvier. Donc voilà, je pense que c'est très RSE de laisser la voiture à la maison et d'inciter vos salariés à venir en transport en commun. Est-ce que chacun de vous savait que ce serait la première ville de France en bus? L'une des premières. Enfin, ah, une des premières. Marseille accueille les mêmes bus que nous. Ok, donc non, là aussi, il y a vraiment effectivement un rôle d'information. Donc, outre d'inciter, effectivement, il y a une notion d'information. Guillaume? Pardon. Créons de l'emploi. Concrètement, il ne faut pas avoir peur de créer de l'emploi. Alors, effectivement, les choses sont en train de changer, mais personnellement, j'ai connu le chômage quand j'étais jeune. C'est pour ça aussi que je suis assez proche de certaines associations. Et c'est vrai que c'est un passage difficile, même quand on est un jeune diplômé et qu'on galère pour trouver un premier emploi, c'est compliqué. Donc, il ne faut pas hésiter. Les choses sont en train de changer. Il faut maintenant se mettre à créer de l'emploi parce que 12,5% de chômage au Havre, c'est inacceptable. Sachant, qu'on revient on vient de terminer une table ronde sur, enfin, un atelier avec les industries du Havre. Je ne sais pas si vous le savez dans la salle, mais 60 emplois aujourd'hui, ingénieurs, informaticiens, etc., au Havre, ne trouvent pas
de recrutement. Ils n'arrivent pas à trouver de profil. Donc, et de la même manière que donc, Florent nous dit qu'il a 50 stagiaires, etc. Je pense que les échanges d'informations, la circulation de ces informations, et merci à la CCI de nous aider à faire cela, est indispensable parce qu'il y a plein de forces vives, des volontés, des opportunités, et qu'elles ne sont pas forcément mises en valeur. Là, par exemple, à l'issue de cet atelier ce matin, va être mise en place une mise en relation entre l'université, les IDH et donc la CCI pour, entre guillemets, aligner les tuyaux et faire en sorte que les formations, les compétences soient beaucoup plus en relation avec les besoins des industriels. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Fabienne, justement, peut-être aussi en nous donnant une toute petite perspective sur ce qui va se passer. Au-delà des 500 ans, au-delà de ce week-end. Exactement, parce que l'élan ne retombe pas et on ne souhaite pas qu'il retombe. Et voilà, toutes les entreprises qu'on met un pied dedans ont envie de continuer. Donc on va continuer ce club de mécènes. Donc si chacun d'entre vous peut parler à un ami entrepreneur, chef d'entreprise ou autre, et qu'il a envie de nous rejoindre, nous, c'est comme ça qu'on va pouvoir nous aider. Parce que plus on sera nombreux, forcément, plus les projets qu'on pourra financer seront importants, sachant que ce sont plutôt des projets là qu'on n'auront pas forcément vocation culturelle, on sera plus sous une forme d'appel à projet. Mais l'idée, c'est bien de continuer, de faire du mécénat, de continuer à soutenir des actions associatives, culturelles, environnementales, sociales, en faveur de l'emploi. Enfin voilà, on s'est laissé... Sur le territoire. Oui, sur le territoire. On s'est laissé quelque chose d'assez large. Mais en tout cas, il y a un vrai élan des entreprises Avres pour se fédérer autour du mécénat. Donc, pour ceux qui n'en font pas encore partie, on les invite bien sûr à nous rejoindre. Okay. Je pense que vous trouverez bientôt sur le site de Positive Economy, de notre site, pardon, mais également le site de la CCI, je regarde Marianne, l'ensemble des coordonnées des uns et des autres pour nous aider. Émilie ? Oui, alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais nous sommes une association, nous, qui est financée à 80% par des fonds privés. Donc, forcément, notre besoin, c'est d'avoir des adhérents et de faire grandir notre club, d'une part pour le financer et puis d'autre part pour que les idées circulent et puis qu'on ait une représentativité en termes de taille et de secteur d'entreprise qui soit riche. Donc c'est ce que l'on cherche aujourd'hui et l'axe de développement du Crépi, c'est clairement les TPE-PME pour nous. Donc on a besoin effectivement d'adhérents, à savoir qu'une adhésion pour une TPE-PME c'est 150 euros. Voilà. On n'est pas sur des... Encore une fois, on n'est pas sur des adhésions qui sont très fortes. Et au-delà de ça, on est aussi habilité à percevoir la taxe d'apprentissage qui nous permet aussi d'avoir des fonds de ce côté-là. On a aussi besoin de temps, puisqu'on n'est que trois, mais on a autour de nous énormément de bénévoles issus des entreprises. C'est pour ça qu'on arrive à faire tout ce qu'on fait. Donc on a aussi besoin parfois de mécénat de compétences et de mécénat et de temps à passer sur nos actions, à venir organiser avec nous. Et de partenaires forts sur les territoires, comme l'est la CCI ici, et de relais de communication aussi, parce que finalement, aujourd'hui, on n'est pas très connus, on travaille un peu dans l'ombre, on commence à nous connaître un petit peu plus, et c'est tant mieux, donc on a aussi besoin de tout ça. Voilà. Florent ? Oui, alors, au-delà du cadre Sciences Po, c'est pour parler de l'interpénétration nécessaire entre le monde de l'enseignement supérieur et le monde de l'entreprise, qui souvent s'ignore un peu trop. Et vous rappelez qu'au Havre, il y a un vivier d'institutions avec des élèves de grands talents, que ce soit l'école de management, l'université, l'ISEL, etc., et qui toutes, finalement, dans lesquelles vous pouvez recruter des très très bons étudiants, et qui toutes ont également besoin de votre soutien, de votre expertise, et d'un grand lien entre ces mondes qui trop souvent s'ignorent. On est là aussi pour ça. Je vais prendre une question. S'il y a une question, ça. Monsieur. Je juste vous demander de vous présenter, oui. Prénom et nom et société. J'allais me présenter. Pardon. Denis Florence, donc je travaille au groupement d'intérêt public du contrat de ville de l'agglomération Havraise, notamment sur le volet développement économique et emploi à destination des quartiers prioritaires de la ville. Plus qu'une question, c'était une demande d'information à Sylvain Picard sur le système Dracar, qui, à mon avis, illustre bien, je dirais, une démarche assez intéressante du point de vue de la RSE. Alors, je vais essayer, enfin, pas être trop long. Le Dracar, c'est donc un site de covoiturage qui a été créé il y a un an, à peu près. Il est en cours d'évolution. À l'origine, il a été créé à la demande des entreprises de la zone industrielle,
Parce que bah, en fait, la zone industrielle elle accueille 30 000 salariés qui viennent d'un peu partout et en fait il n'y a aucun système de transport en commun. Sachant qu'elle est extrêmement étendue, hein, je ne sais plus quelle est. C'est assez immense, je crois qu'elle est aussi grande que la ville de Paris. Enfin, voilà, c'est ça. Donc c'est une dimension pour ceux qui ne sont pas à vrai. En fait, c'est très compliqué. Important. Donc voilà, on a mis en place ça. Alors c'est vrai que du coup, une action RSE de notre part, puisqu'on a eu quelques participations de la part des entreprises, mais que ça ne finance pas l'ensemble. Voilà, l'idée c'est de laisser la voiture à la maison et de favoriser le transport en commun, évidemment c'est notre métier quand c'est possible, mais aussi le covoiturage. Voilà, donc n'hésitez pas à faire la promotion de ce site. On va le faire évoluer pour pouvoir le faire rayonner un peu plus dans les mois qui viennent, mais d'ores et déjà on peut aller partout dans la zone industrielle du Havre en cherchant voilà, quelqu'un qui y va aussi. Merci Denis de cette... Et l'application, où est-ce qu'on trouve l'application? Enfin, comment on Dracar.fr. Dracar.fr. Ok, alors, on va s'arrêter là. Il est juste l'heure, donc nous avons respecté le timing. Chacun, donc, on a tous rendez-vous au rez-de-chaussée. Voilà, donc c'est en bas, on redescend. N'hésitez pas, on est là pour... C'est un déjeuner de networking, d'échange, de discussion. Et nous remercions nos intervenants. Merci à vous.